Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, il est 8h20. On se prépare pour aller à la crèche. Vous l'entendez? Casquette Lily, casquette Lily. Oui, il y a casquette de Lily. Bref, on va emmener Aaron à la crèche. Ensuite je ne sais pas encore si je passe au Leclerc parce que j'ai besoin de fond de teint. Et ensuite parc. Donc après je sais pas si je passe chez Leclerc, au parc ou quoi, ou si on rentre d'abord, enfin voilà. Je vous laisse parce que c'est un peu compliqué, Aaron veut mettre la casquette d'Alissa, Alissa veut pas, enfin... Je vous laisse, je vous reprendrai tout à l'heure. Nous on va aller dans le parc, tour, dans le parcours de santé. Oui, on va partir avec nos copains là, d'ici, bah c'est l'heure en fait. Parcours de santé. Je qu'il y a la voiture. Non, passe pas par là, on va passer par en haut. On va au parcours de santé, donc voilà, je me suis changée, j'ai pris un petit sac en bandoulière où j'ai mis de l'eau, des mouchoirs, du petit pchit pour les bêtes. Et c'est tout bon, on est parti. Bon, je vous ai zappé aujourd'hui, mais la journée était longue, il est 19h30. Je sais plus si je vous l'ai dit, on a été au parcours de santé avec nos copains. Je sais pas si je vous ai repris quand on est rentré avec Lily. Ensuite j'ai fait, on est rentré, il était midi, j'ai improvisé une tarte à la tomate et aux champignons. Ensuite on a été chercher Aaron vers 16h30 à la crèche. On est passé devant chez nos copains, on les a vus, ceux avec qui j'ai fait le parcours de santé le matin même. Et en fait on est resté jusqu'à 18h30 avec eux. Voilà, donc après le temps de rentrer, faire manger les enfants, là il est 19h30, ils ont mangé, ils sont douchés. Et là j'enchaîne avec le lait, donc voilà. Et ensuite, moi je dois monter le vlog de demain, me laver, faire le repas pour nous, enfin voilà. Un peu la course, mais disons que le repas de ce soir c'était une impro totale vu l'heure, donc ça a été du pain mais du blanc de dinde, des tomates, du tartare, voilà. Un petit mélange qu'ils aiment bien. Et comme ça au moins... Du coup voilà, là je me dépêche de finir leur lait, je vais leur donner leur lait, petite histoire, dodo, et moi je monte le vlog et je m'occupe de... Après de prendre une petite douche. J'ai fini aussi mon livre, le dernier tome de la saga Off Campus, donc le livre qui s'appelle The Goal. Non, je crois que c'est plus c'était The Goal. Et donc... Je suis contente parce que je vais pouvoir commencer un nouveau livre, un des livres que j'ai pris à la médiathèque, donc ça c'est plutôt chouette. Allez, je vous laisse. Et oui, c'est moi, et je détourne cette vidéo. J'ai presque plus de lettres. Voilà, ah c'est ballot, ah oui ça bloque, oh là là, si ça coupe je vais me faire engueuler, hein, dis donc. Oh là je voulais juste vous dire, il est 21h30. Ah c'est bien, dès qu'on t'en remercie. Je dis, ben voilà, dites-nous quelle heure il est chez vous. Si vous savez pas quoi commenter, dites un petit commentaire et vous nous dites l'heure qu'il est chez vous. Ça nous... bah comme ça, on saura à quelle heure vous nous regardez. Je sors de la douche, j'ai monté le vlog de demain et celui d'après-demain. Faut que je fasse la miniature encore. Je vous ai même pas dit demain, on part à Dijon, demain après-midi. Donc, je vais avoir une sacrée matinée parce qu'en fait, j'ai plus de linge propre. Enfin, j'en ai, mais pas pour moi. Donc. Et pour moi, hein. J'en sais rien. Demain, ça va être machine. Il va falloir te mettre au boulot, ma grande. Hein. Ouais. T'as raison. Allez. Répète ça encore une fois et tu verras. Il va falloir se mettre au boulot. Alors je vais deux shorts, un pantalon. Chut, parle de son, tu vas y arriver. Deux polos. Ouais. Pour demain 13h, s'il te plaît, merci. Donc demain, ça va être la course. Elle est au fond, elle n'en peut plus. Là. Ouais, elle tient plus debout, elle a la tête qui tombe sur mon épaule. Je suis crevée. Je voulais vous dire, j'ai fini mon livre en fait tout à l'heure, le dernier tome de la saga Off Campus. Je vous laisse parce que je vais faire le repas sinon elle va cramer. Voilà, c'est Julien qui gère les pâtes au saumon parce que en fait il les fait mieux que moi. À chaque fois que moi je les fais, je suis déçue et lui quand il les fait, elles sont top. Donc il a quelques tâches, regardez, il va essayer d'avoir la caméra avant qu'elle coupe. Sauf que... Franchement, ça me fait plaisir qu'elle reconnaisse que je les fais mieux qu'elle. Oh, je voulais vous dire que parce que c'est vrai, si vous voulez savoir mon secret, je sais pas si je vous le dirai, commentez, on verra bien. Il est en forme en ce moment, Julien. Et du coup, là, je vais commencer un autre livre. C'est un des livres que j'ai pris à la médiathèque. C'est celui-ci, celui de Colleen Hoover, Jamais plus. Voilà. Donc, je suis super contente et j'ai hâte de le lire parce que j'entends beaucoup de bien de cet auteur. Et en plus, je vais en voir un petit peu d'autres choses. Pour le moment, je vais vous laisser. Je suis crevée parce qu'en fait je viens juste de terminer les vidéos, je suis au bout là.
je suis vraiment fatiguée. Et demain matin, j'ai plein de choses à faire. Faut que j'imprime l'état des lieux, les diagnostics, etc. Parce qu'on doit faire... on retourne à Dijon pour notre maison. Vous savez, on avait signé le bail au mois de juillet. Et maintenant, on va faire l'état des lieux d'entrée, de sortie. On va revoir notre ancienne maison. J'ai hâte que Alissa la voie parce qu'en fait elle attend tellement à force de dire que sa maison lui manque. J'espère qu'elle se rend compte que elle était bien cette maison, mais j'aimerais qu'elle se rende compte qu'on est mieux ici pour que peut-être elle se sente mieux aussi au quotidien, parce que voilà, je sais que sa maison c'est un mythe qui va s'effondrer demain, parce que... c'est pas un mythe qui va s'effondrer, mais je pense que ça peut lui faire du bien de se rendre compte que... Après, on était très bien dans cette maison, mais je pense qu'elle, elle a en tête, en fait, surtout que Julien était beaucoup plus présent à la maison à cette époque-là. Et pourtant, croyez-moi, il faisait déjà beaucoup d'heures. Julien a toujours fait beaucoup plus d'heures que moi, hein, clairement. Pourtant, moi, j'étais à 39 heures, donc j'en faisais quand même pas mal. Mais lui, il faisait beaucoup d'heures aussi. Et je pense que ça va lui faire tout bizarre parce qu'elle s'entend, à mon avis, à retrouver sa chambre comme avant ou quoi. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'elle va être contente de voir revoir la maison, mais qu'elle va se dire que finalement, on est plus heureux ici et qu'on est mieux ici. Ça va mieux, mais elle continue à en parler. Donc, parce qu'elle a ça en tête. Elle l'a pas revue, elle, la maison. Bah oui, elle l'a pas revue depuis deux ans. Donc, elle avait pas de petit frère, elle était fille unique, elle avait toute l'attention. C'était un truc de fou, quoi. Il a passé ses journées avec son père, et ça, vous le savez. Pas tes journées avec toi, c'est pas vrai. Vous me réclamez souvent, et vous savez comme quoi je peux faire du bien et comme quoi je suis important dans la vie des gens. D'accord, allez, va faire le second, s'il te plaît. Imaginez dans la vie de ma fille. Oui, c'est normal. Farah pourrait vous en parler, de l'importance que j'ai pour elle. Ils le savent déjà. Ouais. C'est vrai. Si je leur dis, tout le monde le sait, quoi. Je t'aime fort et que tu me formes. Ils sont très amoureux. Oui, c'est bien ce que je dis, tu vois. C'est pas... Pourquoi ? C'est pas je t'aime fort, tu m'aimes fort. C'est l'importance que j'ai pour toi. Bref. Demain, d'ailleurs, demain, c'est quoi demain ? Ta-da, ta-da ! Oh purée, demain. 6 ans de mariage. Ça, c'est le mec qui a encore oublié. Si vous suivez les vidéos, vous savez qu'il a déjà oublié. T'as oublié quoi ? Notre anniversaire de rencontre ? Mon anniversaire ? Je vais réagir tout de suite. Non, t'as dit, oh purée, parce que c'est demain. Bah oui. T'as prévu quelque chose ? Mais attends, moi j'ai passé ma journée au travail, j'ai pas pu aller faire. Non, j'ai rien prévu parce que. Je travaille dans un magasin, mais c'est un petit magasin, y'a pas trop de cadeaux dedans. Non, mais je vais pas penser à des cadeaux. Mais c'est je vais ramener un panier garni avec dedans, je mettrai un peu des fruits, des biscuits. Regarde-moi. Je te je préférais. Bon, du coup, ça a été coupé, désolé. Il est maintenant beaucoup plus tard, il est quelle heure ? Ouh là là. 11h10. Je sais pas si vous voyez mes yeux. En fait, tout à l'heure, c'est horrible. Ça, c'est ton truc, t'adores. Hein. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Je sais pas si vous voyez mes yeux. Et là, c'est mieux. Attendez, j'ai un autre. Je sais pas si vous voyez mon nez. Attends, Julien, écoute-moi. Je sais pas si vous voyez ses cheveux. Non, je vais les laver demain. Regardez-moi. J'allais dire, non, écoute-moi. Je sais pas si vous la voyez. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais super mal à l'œil et que j'ai voulu gratter. J'ai oublié que j'avais des ongles. Vous voyez ? Et je me suis arraché l'œil. Mais t'as vu, ils sont quand même. Oui, c'est horrible. Remplis le lave-vaisselle, s'il te plaît, au lieu de m'embêter. Donc, il est l'heure d'aller se coucher, en fait. On a regardé un petit bout de l'épisode de Descent. On n'a pas regardé en entier, on a regardé un petit morceau. Et là, on va lancer de la vaisselle et on va aller dormir. Voilà. Parce qu'on est bien fatigué et d'habitude, le soir, je lis toujours un peu. Là, je crois que je ne vais pas pouvoir lire, j'ai déjà mal à l'œil. Ah, j'ai ma lampe de lecture, je t'embête pas. Mais au moins, alléluia. Bon, je vous laisse, faut que... Tu veux pas le faire, je suis en train de parler. Je bosse, justement. Faut que les gens voient la réalité. Mets les pattes dans la boîte. Alors là, mon coco, tu vas regarder, c'est lui qui s'occupe de débarrasser la table, de remplir de la vaisselle, de mettre la pastille dans la vaisselle. Eh bien, t'es un bon gars. Bon, sur ces belles paroles, je vous laisse.
Non, je m'en occupe pas. C'est quoi, non? Allez, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous reprendrai de toute façon demain pour la suite, certainement. Ou alors je vous clôture ce vlog. Il se barre. Hein. J'espère que ce petit vlog en notre compagnie vous aura plu. Je vais vous clôturer comme ça demain. On commencera sur le week-end entier à Dijon. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.